Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Bienvenue dans mon monde. Savez que mon monde, c'est le monde des savants. Aujourd'hui, c'est lundi, mais je ne veux pas parler de l'Yeblema. C'est demain que je ferai une vidéo pour l'Yeblema. Parce que c'est une astuce qu'une personne m'a demandé. Donc, j'ai dit qu'elle va faire une vidéo sur ça. Comment aider une personne qui est en prison pour sortir. Mais ici, là, sachez qu'il y a des gens qui vont en prison parce que c'est leur destin déjà. Qu'ils vont passer par là. Prenons même l'exemple des personnes. Soit ils sont partis, soit qui sont encore vivants. Prenons même l'exemple du président Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire. Prenons l'exemple de Mandela qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. Prenons les deux exemples. Ils sont nombreux. Ils sont allés en prison vraiment gratuitement. Ou bien même, tu vas en prison vraiment, comment dire, parce que tu étais dans un endroit, un mauvais endroit. L'heure qui est mouvante, comment même, mauvais endroit, mauvaise heure, mauvaise heure, disons comme ça, et tu te retrouves là, te voilà, tu te retrouves en prison. Donc, le problème encore ici, là, comment vous allez faire pour parvenir ça à la personne en prison? Donc, je vais vous donner deux astuces, vous allez vous démerder avec. Donc, ici, là, vous avez besoin du noyau d'un fruit, le noyau d'un fruit qui ne risque rien, n'a rien, essayez. D'un fruit, le noyau d'un fruit. Par exemple, ça n'a pas de noyau. Vous pouvez prendre la mangue, vous pouvez prendre l'avocat. Vous avez besoin du fil. Vous avez besoin du manioc. Vous voyez, bon, j'ai pris ça pour vous rappeler quoi. Le manioc a un fil au milieu, on ne mange pas ça. Donc, quand vous enlevez la peau du manioc, vous coupez au milieu, ça a un fil là. C'est le fil là que vous allez prendre. Et là, vous avez besoin d'un tissu. Percale, comment c'est un bon normalement on appelle ça un tissu percale, c'est un tissu en coton. Donc comment vous allez faire? Vous allez rendre tout ça, les ingrédients là-dedans, ça, non, ça là, vous allez prendre ça, vous allez prendre le noyau, j'ai oublié aussi, vous allez prendre la bile d'un animal. Je dis bien la bile d'un animal, sauf le porc. La bile d'un animal, sauf le porc, la bile là, vous allez rendre ça en poudre. Après, vous allez aussi rendre le fil du manioc là en poudre. Vous allez aussi rendre le noyau de la mangue, soit de la mangue, soit de l'avocat en poudre. Après, vous allez faire un vœu. Vous allez mettre ça tout petit. Il faut que ça soit vraiment tout petit dans un tissu percale, je dis bien un tissu en coton noir comme ça, là, que vous allez bien, vraiment bien faire ça, comme, comment il peut appeler ça, ça a un nom qu'on appelle souvent, là, attendez, donc ça veut dire que vous allez faire un talisman avec ça, en faisant le talisman, donc en cousant ça avec vous, avec le fil noir. Vous allez faire les vœux. Vous allez faire les vœux comme si vous voulez sortir vous voulez le sortir dans un trou. C'est comme je vous dis tout le temps que si vous rêvez que vous entrez dans un trou, c'est pas bon. Ça peut être la prison, hein? Ah oui. Donc vous allez faire un vœu en allant dans ce sens-là, comme si vous allez le sortir quelque part. Vous faites ça, et vous allez lui remettre. Donc, dans le cas contraire, si c'est difficile, ça, bon, ça c'est clair que ici, là, vous allez goûter ça. Et si là, vous allez chercher, par exemple, un varan. Mais le varan, là, ça, je sais que ça va être très difficile. Hein. Ça, c'est une astuce vraiment très difficile. Parce qu'il faut que vous devez trouver le varan. Parce que le varan reste souvent sous le sol. Vous devez creuser le varan, là, enlever ça sous le sol. Et couper la tête, prendre sa tête et rendre ça en poudre. Voilà. Donc, c'est clair que c'est une astuce très difficile, mais on ne sait jamais essayer. Soit s'il est même dans un trou d'un arbre, parce que parfois, il peut aller se réfugier dans les trous des arbres comme ça. Vous allez le trouver là-bas, vous allez l'enlever là-bas, vous allez calciner ça, vous allez rendre ça en poudre, vous allez lui faire manger ça. Donc, soit vous allez faire une bonne nourriture. Il faut qu'il mange ça seul. Hein. C'est ça qui est ça. N'oubliez pas à faire, à faire vos vœux dans ce sens-là. Encore une fois, il faut faire le vœu dans ce sens-là. N'oubliez pas, je suis membre de l'Yeblema. Si vous voulez aussi être membre de l'Yeblema, c'est le moment d'être membre de l'Yeblema. Ce n'est pas quand ça va prendre vraiment la valeur, c'est maintenant.
Et chaque Africain doit être, avoir un compte de la crypto-monnaie, vraiment. On n'a plus besoin d'être colonisé. Il y a plus de 20 000 sortes de crypto-monnaie. Si vous ne voulez pas venir chez Liebman, allez même ailleurs. Hein, mais chaque Africain doit avoir un compte de la crypto-monnaie. C'est très important. Et n'oubliez pas, mes savons sont disponibles, que ce soit le savon de déblocage, de chance pour les mains percées, pour même soulever votre couple, si vous voulez. Si vous êtes, par exemple, en guerre, vous venez me voir. Si vous voulez des conseils, vous venez aussi me voir. Si vous voulez, j'ai encore les courses. Et sauf pour ceux qui aiment les fêtes, c'est très bien. Vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Donc, récapitulatif de ce que je viens de dire, vous avez besoin de la bile d'un animal, sauf le porc. Vous avez besoin du noyau d'un fruit. Il peut avoir le noyau de la mangue ou bien de la... ou bien de la... de l'avocat, voilà. Vous avez besoin du fil du manioc. Ce n'est pas le fil, si je dis bien, juste pour vous mettre ça là, pour que vous n'oubliez pas le fil du manioc qui est dans le... Quand vous enlevez la peau du manioc et quand vous coupez la partie au milieu comme ça, vous allez voir qu'il y a un fil là au milieu. Vous allez prendre ça et rendre ça en poudre. Et vraiment faire un talisman avec le tissu noir et le fil, avec le fil noir aussi, et aller apporter ça à la personne. Ou bien vous allez trouver un varan que vous avez seulement besoin de sa tête, que vous allez aussi calciner et faire amener ça à la personne là où se trouve. Donc, comme on dit en allemand, Achtung, donc attention. Je pense, sauf si vous connaissez les gens là-bas qui peuvent vraiment lui donner ça. Je dis encore que la personne doit être innocente. Il faut que la personne soit innocente. Parce que si la personne a fait vraiment des choses qui ne sont pas normales, je ne pense pas que cette astuce va aider cette personne-là. Non. Donc voilà, n'oubliez pas encore une fois de vous enregistrer. Je laisse toujours le lien ici, là, en description. Il y a mes coordonnées en description. Si vous voulez vous enregistrer pour être membre de l'IEBMA, vous pouvez le faire là. Donc vous pouvez vous abonner, vous liker. Et moi, je vous dis à tantôt.